Et salut les athlètes, c'est Jérém de JFit. On se retrouve pour une petite vidéo face cam. Ça faisait quand même très longtemps. Regardez, on est sur nos lios. On a les objectifs à venir et bah, le prochain objectif, c'est en 2025. Ça va pas vous surprendre, je pense, puisque vous savez que j'adore la course à pied et le CrossFit. En 2025, le premier objectif, ce ne sera pas de la course à pied, ce ne sera pas du CrossFit. Ce sera un mix des deux, ce sera l'Aerox de Toulouse. Début février, en double avec mon pote Laurent, qui fait partie de la box CrossFit Aisin. Je vous en dis pas plus puisque je ferai des vidéos dédiées à ce projet, dédiées à l'Aerox, en partenariat avec Aerox France. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Le deuxième objectif, c'est le marathon des deux rives, qui aura lieu pour sa première édition le 4 mai 2025 sur la presqu'île d'Ambès. On est rive droite de Bordeaux. C'est Clément et Céline qui avaient organisé notamment la course du bois et qui organisent pas mal de triathlons dans la région qui organisent cette première édition. Je suis très confiant du coup sur l'organisation. Ça va être relativement plat. Ça va être deux boucles sur les rives de la Garonne. Je pense que ça va être très très chouette. Bien évidemment, je ne vais pas juste faire l'Aerox début février et le marathon début mai. J'ai été invité par l'organisation de l'Ultra Trail d'Oléron qui consiste à faire le tour de l'île d'Oléron. Voilà, 100 km. C'est début avril. C'est pas terrible, terrible sur une prépa marathon, mais je vais y aller. Je vais y aller. Et pour ça, eh ben, on va augmenter les kilomètres, que ce soit à pied et également à vélo. Et il y aura, entre-temps, le 16 mars 2025, il y aura les 10 km de Saint-Médard. Donc je sortirai de l'Aerox. Un bon mois pour faire de l'allure spé 10 km, sachant que pour la prépa Aerox, je vous en reparlerai, mais pour la course à pied, on va partir sur une prépa 10 km, puisqu'on va en courir 8. Ça va ressembler à de l'allure 10 km sur les 8 fois 1 km. Donc, j'aurai normalement la vitesse pour ce 10 km à Saint-Médard. Je ne sais pas encore quel objectif je viserai. Je vous en reparlerai évidemment. Et le 20 avril, donc 2 semaines après l'Ultra Trail d'Oléron, 2 semaines avant le marathon des deux rives, et ben, il y a le semi-marathon du Cap Ferret. Et j'aimerais bien aller y faire un temps puisque je pensais être inscrit au semi de Bordeaux, mais j'étais pas inscrit en fait, mais à force d'avoir dit à tout le monde que j'étais inscrit, je pensais que j'étais inscrit, sauf que non, j'étais pas inscrit. Et comme je suis actuellement blessé au mollet, mon petit mollet gauche qui a été compensé mon inflammation du tendon d'Achille droit, et ben j'ai pas fait le semi de Bordeaux, de toute façon, j'étais pas inscrit, vous avez compris. Donc on va partir sur le semi du Cap Ferret qui est le 20 avril, donc ça va faire un beau triptyque hein, entre le 16 mars et le 4 mai, puisqu'on va partir sur 10 km le 16 mars, sur un semi le 20 avril, sur marathon le 4 mai. Entre-temps, on va venir glisser de l'aérox, ça va permettre de se renforcer musculairement, ça c'est parfait pour la prépa qui suit. Et un petit tour de l'île d'Oléron début avril, histoire de visiter un peu une île que je n'ai pas vue depuis, depuis près de 20 ans, je pense. Ouais. Ça fait un petit moment. Voilà, donc ça c'est pour ce début 2025. Il y a peut-être 2-3 courses qui vont venir se caler, mais rien de fou. Ce sera des séances de vitesse. On est pas mal. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui devrait normalement être consacrée au renforcement musculaire spécial course à pied. Sportez-vous bien les athlètes, à très vite. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Ciao ciao!